J'aimerais vous présenter aujourd'hui mes meilleurs vœux pour l'année 2023 et j'aimerais souhaiter également que cette année soit l'année de la paix en Ukraine et dans le monde. Et d'autre part, j'aimerais vous présenter aujourd'hui ce sujet sur l'Ukraine de 2005 à nos jours. Ce premier épisode sera de 2005 à mai 2022. Bon visionnage et à très bientôt. Depuis la fin de la guerre froide, quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OTAN qui essaye d'étendre son influence à vos voisins, à vos partenaires comme l'Ukraine et la Géorgie? Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Le roi du chocolat favori de la présidentielle ukrainienne, le milliardaire Petro Poroshenko, a plus de 20 points d'avance sur sa principale rivale, Yulia Tymoshenko. Le scrutin aura lieu dimanche sous haute surveillance. 75 000 hommes seront déployés pour assurer la sécurité. Les séparatistes des régions de Lugansk et de Donetsk ont en effet promis d'empêcher le déroulement du scrutin dans l'Est, où près de 2 millions d'électeurs pourraient avoir des difficultés à se rendre aux urnes. La guerre en banlieue de Donetsk. Ces combattants pro-russes, visiblement entraînés, avancent vers l'aéroport. Après avoir tenté de le prendre à 3h du matin, les choses ont mal tourné. Ils ont été repoussés et maintenant, la bataille fait rage. La garde nationale ukrainienne tient la position, appuyée d'un groupe de parachutistes. Au bout de 3 heures de combat, l'aviation ukrainienne intervient. C'est dégoûtant, c'est horrible. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Il y a eu des explosions, deux par là, vers les pots de fleurs, et une autre ici, qui a arraché la tête de cette femme. Son fils était près d'elle. Il hurlait. Il était tout coupé par des éclats d'obus. Ils ont tiré toute la journée. Il y avait des avions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a peur. Vraiment très peur. Choqués, les habitants de Donetsk découvrent qu'une vraie guerre est à leur porte. Il ne leur reste qu'à prier que la situation ne dégénère pas. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Qui sera le prochain président de l'Ukraine? Le favori, c'est lui, Volodymyr Zelensky, un acteur comique révélé dans une série télé. C'est un pays coupé en deux, un pays en guerre aux portes de l'Europe qui se choisit un nouveau président. Moscou et Minsk entament ce jeudi 10 jours d'exercice militaire commun au Bélarus dans un climat de tension internationale autour de la question ukrainienne.
Vincent, direction la frontière ukrainienne, puisque le repli annoncé des troupes russes, massées depuis plusieurs semaines là-bas, a commencé. C'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. Oui, on peut respirer, reprendre une tasse de café, l'Europe l'a échappé belle, quel soulagement. L'apocalypse n'est donc pas pour ce matin. Vendredi, Joe Biden en personne nous l'annonçait pour ce mercredi à l'aube, en détail, avec tout le scénario, la provocation russe cousue de fil blanc, le mensonge en vidéo sur les réseaux sociaux, la réaction brutale des militaires, des bombardements intenses et puis l'assaut des blindés. Bernic, le spectacle n'aura pas lieu. En tout cas pas aujourd'hui, car c'est à potron miné qu'attaquent les commandos. Et ce matin, sur la frontière russo-ukrainienne, que dis-je, sur le front russo-ukrainien, c'est calme plat, le bivouac qui s'ébroue, la vie de garnison. La formidable machine assemblée par les Russes n'a pas déferlé sur Kiev, ils la démontent, la guerre attendra, on ne peut même pas dire qu'ils rentrent chez eux puisqu'ils sont chez eux. Soyons quand même prudents, les 110 000 agents des 17 agences américaines de renseignement n'ont pas pu se tromper aussi lourdement, le président Biden n'a pas pu s'avancer sans preuve, le Pentagone mentir aussi effrontément qu'il y a 20 ans avec l'Irak, la journée ne fait que commencer, on ne sait jamais, le diable russe a toutes les perfidies, donc attendons encore un peu avant de crier victoire. 3 semaines d'hystérie médiatique, de marathon diplomatique et de provocation, de gesticulation militaire plus que de provocation, ont préparé le terrain à une négociation attendue depuis 30 ans sur l'équilibre des forces en Europe, c'est-à-dire le contrôle des armements de courte et moyenne portée, la réduction des arsenaux nucléaires, des garanties de sécurité réciproques. C'est ça l'essentiel. L'Ukraine est accessoire. Elle risque de rester l'otage des marchandages Est-Ouest et le Donbass végéter dans la guéguerre. Mais alors... Sur ces images amateurs filmées cette nuit, des troupes de l'armée russe en mouvement. Selon des témoins sur place, des chars, des blindés et des véhicules militaires auraient déjà passé la frontière. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision, une allocution qui a sidéré le monde entier. Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, et de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Aux yeux de la Russie, ces républiques populaires n'appartiendraient donc plus à l'Ukraine, deux territoires russophones qui ont fait sécession en 2015. Le maître du Kremlin justifie le déploiement de ses forces armées comme une condition indispensable à la sécurité de la population. Les populations de Donetsk et de Lugansk se sont opposées au nationalisme élevé. Elles ont eu peur pour leurs droits élémentaires de vivre sur leurs terres et de parler leur langue maternelle. Une déclaration très virulente envers l'Ukraine, que Vladimir Poutine qualifie même de régime fantoche à la solde des Américains. La Russie a tenté une guerre éclair. Les troupes russes sont entrées dans le pays depuis plusieurs points. L'objectif était de prendre le contrôle de Kiev et de renverser le gouvernement ukrainien en une semaine. Mais Kiev a résisté et le président ukrainien a refusé la proposition d'évacuation de Washington. Il a demandé des munitions pour faire face à l'armée russe. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, je vais vous inviter à regarder avec moi la carte des sanctions internationales contre la Russie. Car beaucoup de pays ont condamné à l'ONU la Russie, mais il n'en est pas de même pour les sanctions. Regardons ça ensemble. Donc, en bleu foncé, les pays qui adoptent les sanctions. Alors, évidemment, les États-Unis, le Canada, l'Europe, bien entendu, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Mais beaucoup plus intéressant est cette carte-là. Ce sont les pays qui condamnent, mais n'appliquent pas les sanctions.
Ils sont en bleu clair. On remarquera la position de l'Arabie saoudite et d'Israël. Enfin, les pays en marron, qui sont les pays qui ne condamnent pas la Russie et qui, bien entendu, n'appliquent pas non plus les sanctions. Alors, dans ces pays, évidemment, deux très très grands géants, l'Inde et la Chine, l'allié de la Russie. Enfin, les cinq pays qui soutiennent la Russie, et bien entendu, qui ne veulent pas appliquer de sanctions, bien entendu. Aucun blindage ne résiste aux missiles anti-chars, et les forces russes en sont régulièrement victimes, comme ici, dans la banlieue de Kiev. Dans le nord-est, c'est dans le coffre des voitures de civils que ces missiles sont livrés par dizaines. Et pour montrer qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser, les forces spéciales ukrainiennes publient un mode d'emploi complet sur les réseaux sociaux. Vladimir Poutine aura réussi à provoquer cette révolution mentale. Il a ressoudé l'OTAN et ressuscité l'Allemagne avec son casque à pointe. Le chancelier Scholz a sorti son carnet de chèques, promis de consacrer 2% du PIB à la défense et mis 100 milliards d'euros sur la table. Et comme la guerre sonne à la porte, il s'est précipité pour acheter sur étagère le meilleur appareil américain, celui qui lui apporte la meilleure garantie, le F-35 de Lockheed Martin. C'est l'appareil et l'assurance qu'offre l'OTAN, qu'ont déjà choisi les Italiens, les Polonais, les Néerlandais, les Norvégiens, les Finlandais, les Suisses, sans oublier les Britanniques. Le choix de l'Allemagne risque de précipiter celui des Tchèques et des Grecs. On regarde la liste et on se dit que l'Europe vole américain, que la guerre en Ukraine assoit la domination américaine sur l'Europe. C'est tout ce que je veux dire, et que cette guerre informationnelle, elle est certes gagnée par les Ukrainiens en Europe et aux États-Unis, mais elle n'est pas forcément gagnée à l'échelle du monde. C'est tout ce que je dis. Comment est-ce que vous réagissez à ce que... Moi, je réagis d'une manière assez particulière, c'est que nous, on a demandé plusieurs fois l'autorisation de tourner avec l'armée ukrainienne, et bien c'est un blackout total. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a aucune image de bataille du côté ukrainien comme du côté russe. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'en gros, en fait, effectivement, ils ont gagné la bataille de l'information des amis ukrainiens, mais nous, on n'a pas... C'est la bataille de l'émotion. Non, c'est compliqué de tourner. C'est très compliqué. On a demandé même de faire donc l'armée ukrainienne au moment où il y avait les exercices russes en Biélorussie, donc avant la guerre. Impossible, mais vraiment absolument impossible. Et il faut savoir que... Et pourquoi d'ailleurs? Vous savez pourquoi? Eh bien, non, mais des terres. Oui, enfin non, dans tous les pays du monde, on va, avec les militaires. Hein. On est embed, on accompagne les troupes. Embarqué, exactement. Mais il faut savoir qu'ensuite, pour aller filmer dans un abri, il fallait intégrer un press tour, donc c'est-à-dire un voyage de presse. I was over in Iraq, and yeah, I was there for a few months, and then flew home, saw my missing kids. Hadn't seen him for a while, and basically said, "Yeah, I'm going to Ukraine." So big shock, and I feel a bit sorry for them. To be fair, I know it was a little pretty upset, but Vladimir Poutine, qui lui a demandé aux Tchétchènes et aux Syriens de venir soutenir l'armée russe dans son combat. Pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit que le business, les affaires continuent hein, entre l'Ukraine et la Russie. Oui, non, c'est un chiffre qui est livré par le patron de Naftogaz, la compagnie nationale équivalente de GDF en Ukraine. Naftogaz assure le chauffage de 12 millions de familles. Évidemment, la guerre perturbe le service. Quand un missile s'écrase sur un immeuble, il faut couper le gaz de tout le pâté de maison en urgence. La compagnie s'y emploie avec des équipes qui se précipitent sur place. Au total, après un mois de conflit, 300 000 abonnés sont privés de gaz. 300 000 sur 12 millions.
Le chiffre colle mal avec les images qui passent en boucle et qui montrent le calvaire des habitants de Mariupol. L'Ukraine est sous les bombardements. Les destructions sont considérables, notamment des centaines de kilomètres de routes, des infrastructures de transport, des millions de mètres carrés d'appartements et de bureaux dévastés. Mais pour 97,5% des abonnés, il y a le gaz à tous les étages. Est-ce qu'on est sûr de cette évaluation, Vincent ? C'est celle de la compagnie livrée au Washington Post. Alors une question en amenant une autre, il faut aller un peu plus loin, il faut se demander d'où vient ce gaz ? L'Ukraine est au carrefour de plusieurs réseaux de gazoducs qui acheminent l'énergie de la Sibérie, de l'Oural et du Caucase russe vers l'Europe de l'Ouest et les Balkans. Le principal s'appelle Fraternité, ça doit être celle d'Abel et Caïn. Alors, l'Ukraine prête son sous-sol et touche en échange deux sortes de loyers. Un en nature, le gaz qu'elle prélève au passage, et l'autre en espèces, les royalties qu'elle encaisse. Pour la période 2020-2025, le montant s'élève à 7 milliards d'euros. On aurait pu penser que depuis le 24 février, le gazoduc était à l'arrêt, les installations menacées. Pas du tout. Les artilleurs les ont épargnés et le trafic se fait comme d'habitude. C'est-à-dire que les Russes continuent de livrer le gaz, comme ils l'ont toujours fait, même au pire moment de la guerre froide, et les Ukrainiens continuent d'encaisser les loyers, comme si de rien n'était. C'est absolument du jamais vu. Hein. Ce que vous nous racontez est absolument incroyable, puisque les dirigeants ukrainiens reprochent amèrement à l'Europe de l'Ouest d'acheter ce gaz et ce pétrole russe, qui passe donc par leur territoire. Oui, l'hôpital se fout de la charité. Les Ukrainiens reprochent, mais ils gardent le robinet ouvert. Ils critiquent les clients, mais ils touchent au passage. Ils combattent la Russie, mais ils acceptent l'argent de Moscou. C'est un grand paradoxe que ces deux pays qui font en même temps la guerre et des affaires. Il y a de quoi relativiser, évidemment, le chantage moral qu'exerce le président Zelensky, exigeant des Européens qu'ils cessent illico de commercer avec la Russie. La semaine dernière, il s'est fait applaudir debout par députés et sénateurs français, alors qu'il venait de citer Renault, Auchan, Leroy Merlin, qui ont des dizaines de milliers de salariés russes, et qu'il accuse d'être les sponsors de la machine de guerre russe. Les Européens sont si faciles à culpabiliser. Ils ont honte de n'avoir pas rompu tous les ponts avec la Russie. Ils ont peur de sentir le gaz, eh bien ils ont tort. Ils suivent l'exemple de réalisme que leur donnent Kiev et Moscou. Pour eux, l'argent n'a pas d'odeur. Le Kremlin affirme que le nouveau mode de paiement est simple, compréhensible, transparent et faisable. Pour payer le gaz, les acheteurs étrangers devront ouvrir deux comptes bancaires russes. Ils enverront leurs euros ou leurs dollars à Gazprom Bank et la banque, par l'intermédiaire de la Bourse de Moscou, convertira ces fonds étrangers en roubles. Ces roubles seront ensuite envoyés aux fournisseurs de gaz russe. C'est une décision qui permet aux acheteurs de payer dans la devise de leur choix, mais permet également au président russe de déclarer qu'il a obligé le paiement final en roubles. Les Européens crient au chantage, ils refusent de plier, indignation donc à Paris, panique à Berlin, ils invoquent les contrats signés, ils font mine d'oublier qu'ils ont bloqué eux-mêmes 300 milliards d'euros, le trésor que la Russie a déposé à l'Ouest pour soutenir sa monnaie, et que cette sanction unilatérale est un acte de guerre, comme l'avouait avec forfanterie un ministre français, que c'est justement pour renforcer sa monnaie, qui a failli s'effondrer, que le Kremlin veut imposer ses paiements en roubles. Alors, en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en Ukraine, la chute de Mariupol est annoncée et imminente. Hein. Oui, le calvaire de Mariupol dure depuis 40 jours, comme le pire des carêmes, et il se termine la semaine sainte par la mise à mort. La ville est en ruine, immeuble éventré et habitants fantômes. Le maire parle de 10 000 civils tués. La semaine dernière, il disait 5 000. Quand on le lui fait remarquer, il répond qu'il est impossible de recenser les cadavres qui jonchent les rues. Mais il essaie quand même et parle de 20 000 morts. C'est son dernier chiffre. Le port est tombé aux mains des séparatistes hier. Les derniers combattants ukrainiens seraient 2 à 3 000, des soldats et des habitants qui ont pris des armes. Ils sont retranchés dans l'immense complexe industriel d'Azovstal. C'était la fierté des soviets, la plus grande usine métallurgique d'Europe. Alors dites-moi, sur Mariupol, justement, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Maintenant, il reste effectivement le secteur de Azovstal. Il y aurait encore plusieurs milliers, c'est des estimations parlent de 3000 à 4000 combattants qui seraient essentiellement des gens des milices Azov, oui. des paramilitaires en fait ukrainiens. D'accord. C'est que les Russes disent avoir capté des messages sortant du complexe, des messages téléphoniques. Oui. Et ils ont enregistré 6 langues européennes. C'est parmi les messages qu'ils ont entendus. Donc, ils ont précisé lesquels, mais ils parlent de 6 langues européennes. Mmh. Alors, l'information est suffisamment vague pour qu'on puisse dire que c'est probable, vu que les milices Azov sont composées en grande partie de volontaires et de volontaires étrangers. Il est parfaitement possible d'avoir entendu des langues étrangères. Mmh. Ça ne veut toujours pas dire que ce soit des officiers d'active occidentaux en mission dans ce complexe. Donc ça, il faut être bien clair là-dessus. Souvenez-vous que 3 jours avant que le Moscova soit coulé, Boris Johnson arrivait à Kiev et promettait à ce moment-là des missiles anti-navires. Une coïncidence ? Le Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué samedi une visite surprise à Kiev. Boris Johnson a également annoncé une aide militaire comprenant 120 véhicules blindés et de nouveaux systèmes de missiles anti-navires. Joseph Robinette Biden, président des États-Unis, n'est pas complètement gaga. Pas complètement. Non, faut pas raconter des histoires. Mais alors, vous savez, il y a un mois, on a complètement oublié ça. Joseph Robinette Biden était à Bruxelles aux côtés de l'âme sublime, Ursula von der Leyen, la présidente absolue, la tsarine de la Commission européenne. C'était le 25 mars. Et il a fait un petit discours, à un moment donné, il parlait effectivement des sanctions contre les Russes et de l'Europe. Écoutez ce que disait Joseph Robinette, que le monde entier admire. Madam President, I know that eliminating Russian gas will have costs for Europe. Voilà. Alors, traduction, Madame la Présidente, je sais que de sortir du gaz russe, d'acheter le gaz russe, aura un prix pour l'Europe. Mais ce n'est pas seulement la bonne chose à faire d'un point de vue moral. Cela va aussi créer une nouvelle relation géopolitique d'un point de vue stratégique. Eh oui. Et, ajoutait Joseph Robinette Biden, nous allons fournir à l'Europe d'ici 2030 50 milliards de mètres cubes de gaz. Nous, les États-Unis, évidemment, essentiellement gaz de schiste. Attendez, je croyais que le gaz de schiste, mais c'était le crime absolu, c'était le crime contre l'humanité. Je pensais que de Greta Thunberg à Yannick Jadot, ils allaient dire non, pas de gaz de schiste, puisqu'on l'a interdit en France, on l'a interdit toute extraction. Non, mais écoutez, au nom d'eux, voilà, comme toujours, au nom d'eux, voilà, on vomit Macron, mais on vote Macron. La gauche de syndicats ou mélenchonistes ont vomi effectivement le gaz de schiste, mais on est d'accord pour acheter à 30% plus cher du gaz de schiste. Voilà, ça se passe comme ça dans notre chère Europe. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Et c'est bien pour cela qu'il y a quelque chose sur lequel les historiens reviendront. Alors que nous avons commis autant d'erreurs dans les 20 dernières années, eh bien les Russes, eux, depuis 2008, la Géorgie, le Donbass, la Crimée, puis aujourd'hui l'agression contre l'Ukraine, commettent les mêmes erreurs. Il y a comme un effet miroir entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Comme si personne ne réfléchissait, ne tirait des leçons. Nous n'avons pas encore, à mon sens, tiré toutes les leçons de ces interventions militaires, et en particulier de l'intervention militaire américaine en Irak et du mensonge. Regardez dans le discours de Vladimir Poutine à quel point il reprend la rhétorique occidentale, celle qui a été la nôtre au Kosovo, celle qui a été la nôtre en Libye, celle qui a été celle des Américains en Irak. Et donc,
Il y a, de ce point de vue-là, nécessité, à un moment donné, de se confronter à la réalité des choses. Et une fois de plus, l'engrenage de la guerre, le mensonge qui est lié à la guerre, il n'est pas propre à une seule partie du monde. Et c'est votre tribune au Figaro qui a déclenché d'innombrables réactions, Henri Guénon. Une tribune pour appeler au sursaut, au réveil, intitulée « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». La guerre, vous entendez par là, la guerre totale mondiale. Ça veut dire que chaque jour qui passe, là, chaque heure, chaque minute qui passe, même à ce micro, on avance collectivement, l'Occident avance, selon vous, vers cet abîme ? L'Occident, l'Europe, enfin l'Europe d'abord, l'Occident et peut-être le monde. Enfin, moi, je suis frappé par la rapidité de l'escalade depuis le début de la guerre. Alors, on ne va pas revenir, je l'explique dans ma tribune assez rapidement, mais comment on est arrivé jusqu'à la guerre. Et depuis, il n'y a pas eu une initiative pour empêcher la guerre. Comme si au fond, personne ne la voulait, tout le monde faisait tout pour qu'elle arrive. Bon, des deux côtés. Des deux côtés. Mais, en tout cas, l'Occident, l'Europe, dont c'est le rôle, à mes yeux, n'a rien proposé. Une fois que la guerre est entamée, on n'a toujours rien proposé.